Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bien content de vous retourner. Nous avons quelques temps pour parler. Je suis là pendant le week-end, nous avons concouru MTE, et dans Miami, côté nous avons assisté à Haitian Music Festival. Je suis là pour parler de festival ça. Et là, on a parlé sur le plan ici aux États-Unis, il y a une discussion entre la Maison Blanche avec le Congrès. Donc, leader dans le Congrès, la République surtout, sous augmentation plafond dette des États-Unis qui doit être à 31,4 milliards de dollars. Première rencontre qui était déroulée officiellement face à face entre président Joe Biden avec le leader républicain Kevin McCarthy. Bon, il finit en queue de poisson, il va déboucher sur un, et d'après déclaration que le président McCarthy fait dans la presse, il dit que la rencontre était bonne, était productive, c'est vrai, mais pas qu'aucun à l'horizon qui montait une solution à tout près. Et pendant que le mandat pour les républicains eux-mêmes, courir dans la négociation de l'affaire. Donc, après le final de la rencontre avec le président Biden, il y a les négociateurs qui continuent à rencontrer encore, ils ont fait plus négocier ça, ça a été joué, tout ça a été discuté, et puis une façon pour que soutenir un bagage que démocratie et ou bien que Congrès est capable de voter. Nous avons que les États-Unis gagnent actuellement et jusqu'au 1er juin pour une entente qui prend, qui joint. Sinon, les États-Unis sont en position que les peuples ont honoré pays d'être. Les autres pays sont un pays riche en économique, mais on ne peut pas comprendre que les États-Unis gagnent d'être de l'autre pays. Donc, ils gagnent comme ça, le pays ne peut pas payer. Et puis, nous sommes en train de payer le fonctionnement du gouvernement. L'argent ne va pas venir pour payer employé gouvernement fédéral. Donc, ça veut dire que c'est un problème. Donc, mais le président Joe Biden dit les deux parties reconnaissent que nécessité pour ne pas arriver dans une position côté États-Unis obligé pas capable de payer d'être. Donc, ils souhaitent que ça ne pas arriver. Mais quand même, tous les parties ont négocié en bonne foi. Où est-ce que tu as une solution? Là aussi, lui-même continue à une réponse à ce qu'il dit. Gon groupe moun qui est accusé comme des Ukrainiens ou des kamikazes ukrainiens qui mènent son attaque sur le propre territoire pali, mais que l'Ukraine rejeté. Et accusation ça, ils disent pas grand rien pour voir ça que Kremlin a parlé de attaque qui fait sur le territoire, ils disent que Kremlin pas grand pour voir dans ça. Et puis nous gagnons tout dans l'autre nouvelle, un président brésilien Luis Ignacio da Silva Lula, qui a passé un sommet G7 là, comme invité, et qui était rencontré de ce côté, et bien lui-même, il a parlé de nécessité pour te dire que il faut que pays et communauté internationale là aider Haïti, surtout dans sa lié, je veux dire, dans la crise que l'a traversée. Haïti a besoin de support, besoin de tout le monde pour être capable de soutenir la crise ça. Donc, pratiquement, c'est ça qui domine l'actualité. Et puis, sur le pays d'Haïti, sommet sous sécurité et HCTC, au conseil et transition, qui vient d'être madame Mélan Maniga, et bien, il y a démarré aujourd'hui, il y a un compte sous sécurité, qui vient en pile l'autre secteur tout qui critique ça. Il y a des secteurs qui jouent une invitation qui ne peuvent pas participer parce qu'ils disent pas quoi que c'est la meilleure façon pour tacler les problèmes. Non. Et puis, il y a des gens qui ont ces questions de sécurité et mariage entre la police avec la population. Alors que la population elle-même, la PDE et l'Elpon Mounio, les touillés Mounio. Alors que c'est même pas que le bandit a fait tout, le bandit a même pris le touillé, tiré le monde et puis volé le bandit, etc. Et puis, il dit même pas la population a fait tout, qui s'est appelé opération Bois-Calé. Et sur l'autre question encore qui concerne le pays d'Haïti, nous avec les États-Unis, nous avons un nouveau ambassadeur, qui sont anciens, qui connaît terrain parce qu'il était déjà travaillé en ambassade. L'ambassade des États-Unis déjà en Haïti, donc selon l'attente que le Congrès et le Sénat américain approuvé avant d'y entrer en fonction. Et dans l'autre grand point, c'est. Dans l'autre grand point qui s'est abdominé, l'actualité a toujours, nous gagnons le pays d'Haïti et la situation n'est pas encore améliorée parce qu'il y a rapporté qu'il y a quelques blessés frappés un peu partout. Je dis entre les gens,
des individus qui ont été mal intentionnés, qui ont gagné quelques chiffres, qui ont tiré, qui ont tiré, etc. Et puis, les gars ont boulé, semblé ont boulé, on l'autre, machine, la police, document pour la police, enfin, plus, c'est doublé, il faut, pour voir dans quelle mesure qu'elle a venu face carré, face à. Et gang qui continue après malgré l'opération Boakale qui population a traqué yo monsieur qui courait la police mon appareil arrêté yo et boulé yo touillé yo et puis ça va empêcher que et si la sécurité après ça pour j'ai fin clair malgré toute demande qui gagne etc. Et puis la venu te gagne un gros blé dans le week-end là dans Miami et ton gros blé côté groupé groupe qui a organisé le festival là, qui a marqué 25e anniversaire et festival ça avec des filles en paquet de jazz. Et bon, moi-même, je n'ai pas versé dans le domaine trop, mais au moins, j'étais présent et j'ai fait ça, j'étais capable. Fanatique, j'étais répondu à l'appel et ça qui était bon là-dedans, surtout pour Didier. Et bien, les côtés de Fanatique, j'étais contre chanter et tout et accompagné, que ce soit ses animateurs, que ce soit ses chanteurs principaux là, ben. Yo accompagné yo pour l'acheter a c'était vraiment un bien son retrouvaille côté qui était grand pile monde qui t'allait qui était grand pile monde qui fait déplacement m'pas ca bay chiffre parce que m'pas domaine moi m'pas ca bay comme c'est monde mais pour monde qui proche ou même qui connaît yo dit que pour même yo était quoi et son c'est un jour qui était jour à te réussir etc. Bon voilà mais était sur place nous te porter le barreau la caou en direct et celle peut-être déception de dit que jeune génération on parle de génération 2000 a été gagné dans soirée ça génération 2000 ou peut-être un petit peu après 2000 ces jeunes qui fait déplacement pour venir assister et Kodak Black qui c'est un jeune rappeur d'origine haïtienne et que organisateur Tevan monsieur comme et pour soirée pour journée était venu monsieur comme une invité principal là dans lui et bien à grande déception de tout le monde de toute jeune sao qui était fait déplacement et nous était ouais comment était pas content du tout le fait que Kodak Black pas présenté parce que même il dit mon côté monsieur Orlando il mon petit Stampa qui peut descendre Miami donc son coût il a été payé et puis pas bien rentrer à tout pas mais tout c'était un gros coup pour payer et pour te rentrer pour te aller dans soirée dans bail ça et bien le fait que Kodak Black pas tué mais il y a plein de monde qui t'exprime frustration et le pire c'est que organisateur pas même bail mon explication pas même bail explication comme si j'étais venu dans micro a dit mes amis Kodak Black pas plus aujourd'hui pour quelque soit raison quelle soit excuse tu veux les bail là mais on dit qu'il pas joué il y a plein de qui suspect pour qui ça qu'il pas joué alors que lui était metté dans toutes et papiers qui t'a circulé dans toute bail publicité que t'a fait tu fait autour de Kodak Black comme une invité qui est principal dans journée et festival ça. Mais à part ça, qui était peut-être partie obscure qui était gagné dans la soirée, peut-être déception pour jeunes supporters Kodak Black, et bien, à part ça, et pour groupe haïtien eux-mêmes, ils ont fait ça, ils étaient capables de gagner, bon, ils étaient peut-être pensés qu'ils étaient faire mieux, et ils n'ont pas capable de jouer toute musique qu'ils étaient voulu jouer, parce que ils étaient des restrictions en termes de temps et sous timing, local et parc là. Si on parle pour gon leur l'huile, gon leur font remettre tout, etc. Donc ça veut dire, et c'est ça qui passe exactement dans la fin, était 11h exactement, faut que tout a été fini, et bien, bah, la camper, et sans aucune explication, alors qu'il était capable même de dire ça. Donc pour moi qui n'est pas habitué à aller comme ça, et je pense que, peut-être la prochaine fois, qu'on fasse que l'organisateur doit parler avec le public à plus, et dire, mais ça qui passe, mais. Et selon tous les journalistes qui habituent à couvrir les événements, tout dit nous, d'ordinaire, toujours un groupe qui était là, qui était pour participer, qui va participer pour quelque chose, parce que le groupe qui était passé avant eux, on bah en plus sous le paillot, sous le temps paillot, donc qui cause que l'air allait libre pour aller à l'objet. Mais à part ça, il y a un bon manger, il
terrain, bon manger, manger haïtien, vraiment manger haïtien. Et bon griot, même maï boucané. Maï boucané, bon, pas des avocats. Mais tu as bon griot, tu as piclise, tu as banane frite, tu as pile bas. Et puis bon, pour soirée, à toute équipe là, nous sommes sur place. Bon, vraiment, nous avons vraiment profité de l'occasion, profité des circonstances pour nous au moins rencontrer avec quelqu'un, c'est un téléspectateur qui habitue à nous, qui au moins face à été nous physiquement pendant notre festival là. Bon, c'est ça, et puis bon, parce que nous sommes là. Je dis à Madi, nous entrons et tout est rentré dans la base. Tout est tourné dans la base. Et moi-même, je ne suis pas tellement fondé dans la production de télévision, mais Fred avec Gary Altidor et M. Charles ont fait bon travail, bon bagage. Et vraiment, ça nous a été vision de la Caille Noire. C'était M. Charles qui mettait toute connaissance sur les mains avec conditions difficiles. Au soleil, au soleil, il y a un bail qui était à la hauteur de ça que l'on fait, qui était dépassé un peu l'autre monde qui était là. Voilà. Je dis tout le monde merci. Et je dis à ce mardi, nous avons une bonne émission pour aujourd'hui. Et nous avons un résumé de moi, héritage, moi, mère, nous avons aussi héritage culturel haïtien. Et bien, nous avons un résumé de ça. Et bien, je dis, on retourne dans la réalité. Donc, on a parlé un petit peu de dette et plafond de dette États-Unis. C'est ma présentation, ça veut dire. Il y a un valeur qui de effort par les autorités de New York qui a mis des pressions pour que le gouvernement fédéral l'a fait. Immigrants qui rentrent, qui viennent à New York, et pour au moins pour jeune permis pour le travail, pour commencer le travail, parce que eux même là disponible, ils ont besoin de travail et ils ont besoin de permis pour travailler en même temps tout, donc ils ont demandé pour les gens qui font l'application pas qu'à prendre plusieurs mois avant de joindre et documents nécessaires là, et même parfois animés avant de joindre nécessaires là, donc il faut ça qu'à faire tout. Et puis personnellement, et les amis nous dans Port-au-Prince, il y a quelques préparations de ces réactions tout sous et rencontre sur la sécurité que HCT a organisé, il y a une réaction sur lui parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec elle, c'est pas tout le monde qui croit que c'est la meilleure façon pour le faire parce que l'autre moyen que tu as fait, et il y a des gens qui disent que tout simplement que il n'y a pas quoi que la barre résultat que c'était. Et puis les critiques vont bon train, les critiques continuent à critiquer. Et le premier ministre Henry, qui des fois laisse ça nécessaire, il est notamment pour faire intervention, pas faire intervention. Question élection toujours en jeu. Le gouvernement lui-même lui dit de mettre tête droite. Après ce bail ça là, il va parler d'une autre annonce qu'a fait encore très certainement pour une qui mesure qu'a commencé avec question et élection. Je dis tout les spectateurs, merci en pile. N'a pas encore plus tard, n'a encore et dans journal radio sur télévision que collègue Jacques Mbélizer qui sur place, qui vient. Et lui-même que la ville présente. Bye bye tout le monde.